Bonjour, Monsieur Garms. Après vous. Garms. Je m'appelle Nesby. Vous devez faire erreur. Ah oui? Je ne m'intéresse pas aux chasseurs de primes, monsieur. Vous devriez remonter sur votre cheval et vous en aller. Je me fiche du nom qui est sur votre papier. Harry Nesby est un de mes bons amis. Et il y a très longtemps que ça s'est passé. Je n'étais qu'un gosse. Je ne suis plus le même. Ici, j'ai une nouvelle vie. Elle va se terminer. Avance bien, Monsieur Morgan. Continuez. Salut, Kiefer. Vous l'avez retrouvé? Vous l'avez eu? Oui. Et ce n'est pas grâce à vous. Vous le connaissiez, shérif? Bon, il y a pas mal de gens qui pensaient que c'était un type bien. Cet homme était recherché, c'est tout ce qui compte. Pour vous?
pour la loi. La loi, c'est mon affaire. Oui, mais vous ne la faites pas respecter. On ne tue pas un homme pour 200 dollars. Chacun doit prendre ses risques, il avait pris les siens. Un de ces jours, Kiefer, je suis sûr que vous irez trop loin. Si ça m'arrive, ce sera pour beaucoup plus que ça. Merci. Merci, monsieur. C'est bien la première fois que je vous vois arriver si vite. Et la prime, monsieur? Elle est comprise. Même si vous ne l'avez pas gagnée. Oh, monsieur Pike, nous avons vraiment été malades. Oui, vous n'imaginez pas ce qu'on a souffert. Je ne vous le souhaite pas. Je pense que nous méritons de boire un verre. Eh bien, Pike, à notre victoire. Buvons à notre victoire. Vous aviez toujours su que nous réussirions, Monsieur Morgan. J'avoue que je me le suis demandé. À plusieurs reprises. Il y a des moments où j'ai pensé que j'avais peut-être été trop loin. On se sent comment quand on est riche? Ah, bien, drôlement bien. Mais tu sais, Pike, il est pour tous les gens de Sonora, cet argent. Nous allons en faire des choses avec. Toutes ces choses dont nous parlons depuis tant d'années. Voilà une réponse qui me plaît. Nous allons bâtir mon ranch, et là, tout le monde aura le droit de vivre sans que personne ne lui dise ce qu'il doit penser, ce qu'il doit faire. Dans mon ranch, chaque homme pourra être ce qu'il est. Il y a beaucoup de gens bien à Sonora, Monsieur Morgan. Les meilleurs que j'ai jamais vus. Eh bien, Pike, maintenant on va à la maison. Tu fais partie autant que moi du ranch de Sonora. Madame Morgan, Rancho Dos Rios, Sonora, Mexique. Tout va bien ici, stop. Je reviens avec Pike, stop. Ton mari qui t'aime, Bob Morgan. Ça arrivera dans combien de temps? Oh, dans pas longtemps. Elle devrait l'avoir dans un jour environ. Envoie ça dès que tu peux, s'il te plaît. Vous pouvez envoyer ça tout de suite? Oui, je m'en occupe. Alors, monsieur, maintenant, on rentre chez nous. Ah, oui, bien sûr. Qu'est-ce qui vient, monsieur Morgan? Je ne sais pas. Je suis un peu fatigué. Je vous ramène à l'hôtel. Non. Non, non, laissez une minute. Ah, ça va aller, monsieur Morgan. Reposez-vous, monsieur Morgan. Ne le dis à personne. Il ne faut pas en parler. Ne dis rien à personne. Cet argent, il faut que tu l'amènes au ranch, à tout prix. Tous les gens là-bas comptent sur toi. Vous le ramènerez, monsieur Morgan. Donne-moi ta parole, Pike. Ta parole d'honneur. Quoi qu'il arrive, tu ramèneras cet argent au ranch. Tellement de choses dépendent de cet argent. Pour tout le monde. Tous nos projets. Vous avez ma parole. Ah, alors je... Monsieur Morgan. Eh bien, monsieur le donneur, je crois que vous m'avez donné un bon jeu.
Il ne me manque qu'une chose que vous allez vous faire un plaisir de me donner immédiatement. Pourriez-vous dire les choses clairement? Je veux une carte. Trois. Et une pour le donneur. Et une. Il y a bien quelqu'un qui va me suivre pour $2. Oui, voilà vos $2. Et je relance de 2 de mieux. Est-ce que vous ne vous appelleriez pas Pike? On m'a donné des tas de noms, monsieur. Et je n'ai jamais eu celui-là. Décidément, c'est pas mon jour de chance. Vous ne connaissez pas le type qui va à Sonora, celui qui transporte $86,000? Vous voulez me faire croire que l'histoire de la paye de Morgan est vraie? Je vous jure, monsieur, mon cousin Billy l'a vu. Je vous signale que je joue au poker. Excusez-moi. Ces messieurs sont pressés de me donner leur pognon. Si vous pouvez battre ce que j'ai, je veux bien me mordre le nez. Tirez! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Vous vouliez jouer au poker, je croyais. Il me semble que vous parliez de vous mordre le nez. Il faut battre une quinte au roi. Et je crois que vous allez vous le mordre pour de bon. Merci, messieurs. Monsieur, vous êtes l'homme le plus chanceux que je connaisse ou le plus habile? Gardez ça pour moi, je vais revenir. Où allez-vous? À la pêche. Nous voulons une part de l'argent! Tu vas pas garder tout pour toi! C'est pas la peine de mourir pour ça! Il y en a assez pour tout le monde! Ce n'est que de l'argent! Et il n'est pas à toi! Et sur qui?
Faut attendre de le voir, au moins. On n'est pas très dangereux quand on a un cigare dans une main et la bride d'un cheval dans l'autre main. J'ai l'impression que ces ivrognes voulaient votre peau. Je vous ai tiré d'affaire. Vous m'avez fait gagner un peu de temps, mais je pouvais me débrouiller seul. Je sens que je vais être le bienvenu. Ma maman m'a enseigné les bonnes manières. Alors, je me présente. Mon nom est Tyree. Tyree. Oui, je connais ce nom. Ça aussi, je connais. Je sais bien qu'il va être difficile de vous convaincre aussi sur ce point, mais je vous suis reconnaissant de l'avoir vu à temps. Je vois un nègre bavard et excentrique dans une chemise excentrique. C'est l'argent ? Vous devriez remonter sur votre cheval avant que vos idées ne vous entraînent trop loin. J'aimerais être riche, moi aussi. Mais ma maman m'a appris à voir plus loin que ça. Oh, je sais que si je vous tue et que je prends l'argent, les autres vont me courir après. Mais vous avez une très bonne idée. Allez au Mexique et passez le reste de vos jours à dépenser. C'est ça, votre proposition ? Vous me comprenez ? On fait la route ensemble jusqu'au Mexique. Je protège vos arrières, vous protégez les miens. Et une fois qu'on y sera ? Une fois passées les limites de la frontière, tous les paris sont ouverts. Pourquoi je vous ferai confiance plus qu'à eux ? Et parce qu'ils sont morts, et que vous, vous voulez rester en vie. Il y a des gens pour qui mourir est une façon de vivre, Tyree. Faites attention de ne pas avoir ce problème. Vous savez, Pike, nous sommes pratiquement invisibles. Ce que je veux dire par là, c'est que tout le monde recherche un noir. Il y en a deux à présent. Comment vont-ils vous reconnaître ? Vous transportez toujours un sac de serpents avec vous ? Ça, c'est mon petit secret. Vous savez lancer des serpents, mais savez-vous tirer ? Vous devrez attendre pour le savoir. Regardez. L'un de nous va devoir laisser le passage. J'en ai l'impression. Mon ami, nous ignorons de quel côté vous voulez passer. Celui-ci ? Ou celui-là ? Je ne suis pas encore vraiment décidé. Vous voulez qu'on vous aide à vous décider ? J'en ai pas besoin.
D'accord. J'ai l'impression que ce type veut beaucoup plus de vous que votre argent. Montrons-leur le chemin. Je ne sais toujours pas si vous avez tiré. Ses éperons. Oui, ces deux-là se sont fait tuer en beauté. Je l'avais dit que nous étions bien derrière Pike. Oui, eux aussi y étaient. Celui-là était marié. Dommage que sa veuve soit pas dans le coin. Vous aimez jouer aux cartes, Pike? Non, je ne joue jamais. Ça va être triste tout le long du chemin. Qu'est-ce qui ne va pas? L'odeur de mon argent n'est plus aussi douce. Elle devient plus douce à chaque seconde. C'est comme les femmes, Pike. Quand on commence à les aimer, on les aime de plus en plus. Et le cigare? Je ne fume pas non plus. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que vous croyez sincèrement pouvoir garder tout cet argent pour vous? Je pourrais le partager avec vous. Ah, ça, c'est pas une mauvaise idée. Eh bien, n'ayez pas trop d'espoir. Vous y pensez quand même, n'est-ce pas? Seulement, vous ne le ferez pas et c'est normal. Vous êtes comme moi pour ça. Ouais, je l'étais peut-être avant, mais... maintenant, c'est différent. Je l'espère.
my darling. Oh, my darling. Oh, my darling, Clementine. Oh, my darling. Darling, Clementine. Vous avez fini? J'ai fini. En route. S'il vous plaît. Eh ben, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que vous voulez, monsieur? Nous n'avons rien. Vous étiez avec Pâques? Oui, mais nous n'étions pas les seuls. Il y en avait de plus intéressants que nous. Des petits yeux comme les vôtres ont dû voir beaucoup de choses. Nous n'avons rien vu du tout, monsieur, je vous le jure. Vous êtes à la recherche de Pâques, vous aussi? J'espère que c'est moi qui aurai la chance de le tuer. C'est pas si facile que ça, de le tuer. On tue ou on est tué, ça c'est mon problème. Maintenant, vous deux, vous allez venir avec moi. Ou sinon... On y va, n'est-ce pas? Hé, hey, Pike, dites-moi quelque chose. J'ai bien réfléchi. Moi, je sais pourquoi je risque ma peau, mais vous, c'est pourquoi? Parce que j'ai dit à Morgan que je le ferai. Vous avez donné votre parole à un blanc. Chez moi, ce genre de parole ne compte pas. Surtout quand il y a 86 000 dollars en jeu. J'ai donné ma parole à un homme. L'âme d'un gentleman. Où alliez-vous? Dans un village, près de Rio Grande. Eh bien, nous y allons si vous voulez venir avec nous. Je vais attraper deux chevaux pour vous et votre ami. Un suffira. Il ne monte pas. Il a été élevé par les Indiens Tarahumara. Deux noirs, une femme et un Indien à pied. Vous croyez que personne ne vous reconnaîtra maintenant, Pike? Et je ne sais toujours pas si vous savez tirer.
Non, il n'y a pas de problème. Quel est ton nom, amigo? Il s'appelle Kashtok. Il ne parle pas, il n'a plus de langue. Qui lui a fait ça? Des brutes, comme ceux-là. Ce type. On peut retrouver Pac sans lui. On va lui tendre un piège et lui piquer son pognon. Ça m'étonnerait qu'il nous donne une part du butin. Comme ça, au moins, on aura tout. Et on pourra le dépenser avant même qu'il sache qu'on l'a. Est-ce que vous avez vu un nègre dans le coin? Ça se peut. Même deux, peut-être. C'est vrai, ça? Ce type dit qu'il a vu notre nègre. Je l'ai vu tout près d'ici. Ah bon? Ah, c'est très bien. Tout dépend de ce que vous avez comme projet. On dirait que vous en avez un de projet, monsieur. Si vous comptez le poursuivre, vous le poursuivrez avec moi. Sinon... Sinon quoi? Vous n'irez pas très loin. Ah, vous avez un droit particulier sur lui? Appelez ça un droit ou bien ce que vous voudrez, mais j'ai été le premier à me mettre sur le coup. Ben, il vous reste à le prouver. Je veux dire, pour ce que vous avez fait tout à l'heure. Ça a l'air très difficile pour vous de dire merci. Hein? Alors ne me faites pas regretter de l'avoir dit. Oh, je croyais que vous aviez envie de parler. Tout dépend de quoi? Ah, je ne sais pas. Je sais que ça pourrait vous faire du bien. Je viens de la Nouvelle-Orléans et avant de France. Est-ce que vous connaissez les maisons de filles à la Nouvelle-Orléans? J'y ai passé 3 ans, jusqu'à ce que mon mari me rencontre et m'emmène avec lui. C'était un homme gentil et bon. Peut-être ne croyez-vous pas ce que je vous dis, mais c'est vrai. Il ne m'a jamais demandé ce que je faisais là-bas. Il ne voulait pas savoir. Le cas arrivait parfois... à me faire oublier, à me faire presque croire que ça ne s'était pas passé. Presque? Ça vous semble étrange? Il y a des hommes qui peuvent vous faire confiance sans vouloir savoir ce que vous faisiez avant qu'ils vous rencontrent. Oui, je veux bien le croire. Quand mon mari a trouvé Kashtok laissé pour mort dans le désert, il l'a amené à la maison pour s'occuper de lui. Lucas était ce genre d'homme. On dirait que vous l'aimiez. Non. L'amour est la seule chose que je ne lui ai pas donnée. J'ai essayé, mais j'ai échoué. J'ai peut-être perdu la faculté d'aimer. Mais non, vous la retrouverez un jour. Où ça? Dans les maisons de la Nouvelle-Orléans? Non. Je ne crois pas à l'arc-en-ciel après les pluies d'été, comme les gens disent chez vous. Je ne suis pas chez moi. Ah non? Je croyais que vous aviez fait la guerre pour ça. Qu'elle a dit? Ah, elle a dit que nous avions gagné la guerre. C'est ce qu'elle croit. Pourquoi elle nous tire toujours dessus alors? S'il ne le faisait plus, je crois que je m'en inquiéterais. Elle a raconté sa triste histoire.
Qu'est-ce qui vous fait croire ça? Rien, mais je m'en doute. J'ai connu un tas de femmes. Et un tas d'endroits. Dont la Nouvelle-Orléans. Et tout le monde raconte la triste histoire de son passé. Elle est plus ou moins triste selon les gens. Et elle n'est pas différente. Ça vous arrive de vous taire? Parler m'aide à me sentir vivant. Ça me rappelle que je suis là. Vous êtes un solitaire, Pike. Vous avez quelque chose dans le regard qui fait comprendre qu'on ne doit pas vous approcher. Ça dépend qui m'approche. Vous ne m'aimez pas beaucoup, hein? Oh, si, je vous aime bien. Mais n'êtes-vous pas celui qui va essayer de me tuer une fois passé la frontière du Mexique? C'est vrai, j'avais oublié, Pike. Je l'avais bien dit qu'on trouverait rien d'autre. Mais monsieur est si difficile. Tu mangerais n'importe quoi si t'avais vraiment faim. T'es si grand et si malin. Je mangerai pas de putois. Tout ce que t'as à faire, c'est de lui retirer la peau, de le laver et de le mettre sur le feu. Et tu peux appeler ça du lièvre? Mais on va mourir de faim si on attend de trouver un poulet. Je t'ai dit que je mangerai pas de putois. Ne bougez plus. Les mains en l'air. Willy. Quoi, on a rien du tout? C'est plus un geste. Mais il devrait y en avoir qu'un. Bon, dans 3 secondes, à partir de maintenant, on va vous tuer. Mais pourquoi? Pour le fric que vous avez. Le fric? Mais lequel? On a juste 16 cents à nous deux. Mais vous pouvez les prendre. Et il y a juste un poulet là-dedans. Un poulet? Espèce de salopard, les putois, c'est bon pour moi, et toi, tu te gardais un poulet. Aucun de ces deux types n'est celui qu'on veut. Je croyais qu'on devait trouver 86 000 dollars. Quoi? Quoi? Vous voulez dire qu'il y a un noir qui se balade avec tout ce pognon? Exactement. Dommage que ce soit pas lui. Allez, venez, on s'en va. Les sapes, pauvres cons, il y a des choses plus intéressantes. 86 000 dollars. Vous voyez, monsieur Kiefer, juste comme on vous l'a dit, ce cher Pike est passé par là. Il ne leur a même pas piqué leurs affaires. On peut, ça prendra pas beaucoup de temps. Allez-y. Ouais, il y a plein de trucs. Il nous a tout laissé. Des trucs de bonne femme. Quand est-ce qu'on va le rattraper? On n'est pas pressé. Il ne fait que rapprocher l'argent de l'endroit où on va le dépenser. Thank you.
carapace et spons, on sera des hommes riches. Ils y sont arrivés, alors bouge ton cul. Eh ben, qu'est-ce que t'attends? Vas-y. Aide-moi, je vais tomber. Ton pied, donne-moi ton pied. Mais oui, dépêche-toi, moi, j'arrive. Je vais tomber. Attends, ton pied. Mais dépêche-toi, bon sang, dépêche-toi, je vais me tuer, moi. Là, oui, encore plus mal, là. Oui, attends que je m'accroche bien, c'est pas la peine que je tombe aussi, moi. Accroche-toi, là, ne viens pas. Vous êtes là parce que Dieu vous a envoyé. Cela veut dire pour moi qu'il faut que je vous aide. Ce n'est pas pour l'argent qu'ils font, mais pour ce qu'ils vont en faire. C'est l'œuvre du démon. Non, oh, ils vont prétendre qu'ils veulent le porter aux âmes du ranch. Mais nous, nous savons bien qu'ils font que c'est un mensonge. Encore un exemple de votre probité. Comme lorsque nous nous sommes connus pendant la guerre. Oui, exactement. On nous appelait des maraudeurs dans ce temps-là. Parce que nous refusions d'obéir aux règles d'une guerre meurtrière. Mais je savais que j'obéissais aux règles de Dieu et que je devais me venger sur ses ennemis. Il vous appelle cette fois encore. Et j'entends sa voix. Oui. Bon, écoutez-moi. Tu vois? Alors, tu chiques? Et avec les femmes, hein? Oui, eh bien quoi? Eh bien, tu sais, est-ce que tu... Elles sont... nos sœurs dans le Christ. Amen, mon frère. Hey, Angel. Oui. Le sceptre du Seigneur, la foudre toute puissante, a été mise entre mes mains pour combattre les innombrables pécheurs. Angel, montre-lui. Ce sont des païens. Des païens noirs. Le noir est la couleur du diable et ce sont les envoyés du diable. Au revoir, les 86 000 dollars. Et c'est de ta faute. Parce que si t'avais fait ce que je t'avais dit... Toi, tout ce que tu sais faire, c'est de donner des ordres et de te plaindre. La meilleure chose à faire maintenant, c'est de nous séparer. Là. Ben, attends une minute, Kongé. Le prends pas comme ça. L'argent, c'est pas tout. Écoute, tu sais ces deux couvertures que tu voulais? Eh ben, je les ai là. Allez, viens. Bon sang, Kongé, ils veulent nous tuer! J'en ai pas là. Quoi? Il leur ressemble, mais ce sont pas ceux qui en ont 86 000 dollars. C'est peut-être une légende. Non, c'est pas une légende. Tout le monde le sait bien. Alors, où il est ce pognon? Nous n'avons pas poursuivi les bons, c'est tout. Nous avons croisé d'autres traces et toutes conduisent à la frontière. Je pense que c'est là que nous trouverons l'argent. Tout ça pour de l'argent. Voilà que vous ouvrez les yeux tout à coup. Moi qui allais croire que vous étiez différente. Vous vous demandez comment vous allez rejoindre les autres. Mais vous croyez vraiment que je pense à ça?
Ah oui, oui. Et c'est vrai, j'ai oublié votre deuil récent. Ne m'en veuillez pas de vous dire ça, mais... pour une veuve de si fraîche date, vous n'avez pas l'air abattue. Vous préféreriez sans doute que je pleure. C'est ce que vous voulez dire. J'ai la faiblesse de penser qu'un homme doit toujours avoir une femme pour pleurer sur lui. Et il faut croire que je suis trop sentimental. Les larmes ne ramèneront pas mon mari. Mais elles l'aideront peut-être à trouver le repos. Ma maman m'a enseigné les bonnes manières. Il parle trop, n'est-ce pas? Ça n'a pas d'importance. Je ne voudrais pas que ce qu'il vous a dit vous embête, mais vous savez, c'est ce qui lui plaît. Mais qu'est-ce qui vous plaît à vous? L'argent que vous avez sur vous? Cet argent, je ne fais que le convoyer. Je le porte aux gens de Sonora qui ont travaillé des années pour l'avoir. Mais vous allez le remettre? Bien sûr. Excusez-moi alors, je n'étais pas au courant. Vous êtes un homme chanceux. Chanceux? Tout à l'heure, je n'en ai pas eu l'impression. Vous, au moins, vous avez une raison de vivre. Je vous envie. Alors. Arrêtez. Il faut se rapprocher d'eux. Allez! Allez dans cette grotte! Thank you.
c'est ça. Voilà. On va voir si on peut passer. La prochaine fois que vous avez une idée comme ça, Pike, vous pouvez la garder pour vous. Ça a marché tout de même.
fichons le camp. Ça, c'est quelque chose que vous ne comprendrez jamais. Qu'est-ce que vous lui avez dit pour qu'elle fasse ça? Je ne lui ai rien dit. Elle cherchait une raison de vivre. Elle a trouvé une raison de mourir. Non. Elle n'est pas bonne. Je crois qu'il ne sait plus où aller. Vous ne vous êtes pas mesuré à lui, alors vous ne savez rien. Moi, je sais. Je sais aussi ce que vous cherchez. Et la loi n'a rien à voir là-dedans. Ce que nous recherchons ne vous regarde pas, Kiefer. Vous ne portez plus votre insigne, Ken. Je n'irai nulle part avec vous. Ce serait pourtant votre intérêt. Et depuis quand acceptez-vous de partager votre prime? Cette fois, je ferai une exception. Je crois que c'est vous qui avez besoin d'aide, pas moi. Deux nègres et un indien. Je les aurais sans l'aide de personne. Les 12 hommes que j'ai enterrés avaient dit la même chose. Par égal à tous les hommes qui viennent avec moi. Vous avez quelques minutes pour vous décider. Vous n'aurez jamais mes hommes, Kiefer. C'est à eux de prendre la décision. Mais ce n'est pas prudent de vouloir y aller sans moi. C'est une menace. C'est un fait. Va nous faire crever. Il nous prend pour des visages pâles, celui-là. Oh, oh merde. Et il n'est jamais fatigué. Je ne sais pas, il me l'a pas dit. Économisez votre souffle. Vous en aurez besoin. On va y arriver. Vous entendez, on va y arriver. Ouais. On est au milieu de nulle part. On n'aimait pas un cheval pour deux et vous dites qu'on va y arriver. Vous voyez des éléphants roses et des femmes en dentelle. Quoi? Regardez. Là, regardez. Vous êtes un fils de pute.
Chaque homme a le droit de décider lui-même ce qu'il veut faire. Ils ont décidé de venir avec moi. Et vous, que faites-vous? De Calvera. Tu es sûr que tu ne veux pas essayer un petit coup, hein? Non, je ne chute pas. Rendez-vous au camp de Calvera. Hein? Il y a de la bonne nourriture. Chico, comment tu vas? Alors, est-ce que tu as appris à conduire le chariot? Si, senior. Ah, vieux Manuel. Vous avez l'air d'avoir beaucoup marché. Ouais. Est-ce que tu as deux bons chevaux à nous vendre? Choisissez ceux qui vous plaisent. Ah. Hey, Tangri. En bas pour vous. Allez, Tailleré, vous devriez plutôt essayer celui-là. Alors, vieux Manuel, combien tu demandes pour ces deux vieilles bourriques? Elles ont probablement été volées. Comme seul un voleur de chevaux peut le savoir. Allez, donne. Là, doucement. Celui-là aura besoin d'être ferré. Il n'irait pas loin comme ça. À l'entrée de la ville, il y a un forgeron. Non, je vais le faire moi-même, Chico. Est-ce qu'il y a un endroit dans cette ville où on peut manger et boire? Seulement pour ceux qui peuvent payer ce qu'ils consomment. Bon, alors, il n'y a pas de problème. Vous voyez mon ami pour ça. Est-ce qu'il court encore, cet Indien? Thank you.
T'as tué beaucoup d'hommes avec ça? Uniquement quand ils ont tiré les premiers. J'aimerais avoir un revolver. Pourquoi? Sur qui tu veux tirer? Sur l'homme qui a tué mon père. Qu'est-ce que tu fais ici, Chico? Je t'ai suivi, Seigneur. Oui, eh bien, il vaut mieux que tu rentres chez toi avant que ton grand-père ne s'inquiète. Hein? Ce n'est pas mon grand-père. Je travaille pour lui. Je n'ai pas de famille. Ah. Tu devrais dormir à cette heure-ci. J'avais presque oublié depuis 10 ans, Pike. Vous avez été long à me reconnaître. C'est la seule raison qui vous amène ici? Tu es toujours recherché par la police? Oui, oui. Qu'est-ce qu'on fait du pognon? Le pognon reste ici. Il y a 10 ans, je vous aurais tué. Mais maintenant. Et puis, tout homme a droit à une seconde chance. Cette erreur peut être mortelle, Pike. Ça se peut.
m'a étonné que vous ne l'ayez pas tué. Mais j'avoue que ça m'aurait déçu. Chaque homme, $100. $100 pour un voyage de 2 jours. Tu es un homme trop occupé. Et combien de pognon il a, votre type? Beaucoup. Ah, bon. Vos hommes... Vous et nous, on est nombreux, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent. Seulement, ils doivent être très dangereux, ces deux types. Hein? Si vous avez besoin d'autant d'hommes pour les descendre. Mais vous aimez le risque, non? De toute façon, vous serez payé. J'ai besoin de vous uniquement pour ce que j'ai dit. Uniquement pour ce que vous avez dit. Mais qui me le garantit? Vous avez ma parole. Hein? Votre parole. La parole, ça signifie peu de choses. Croyez-en mon expérience. Mais... j'accepte vos garanties. On va aller avec vous sur votre parole. Mais... si nous ne sommes pas payés, nous ne courrons pas avec. Mais après, vous. Dis, t'as entendu? Maintenant, il va donner $100 à chacun de ces Mexicains. Et nous, on n'est pas plus près de cet argent qu'au début. Tiens, regarde qui est là. Ne bois pas, ne fume pas, ne chique pas et ne dors. Viens, salopard dans le camp! Tu es qui faire? Viens voir! Thank you.
camp de travaux forcés, on dirait. Oui. Je pense que nous sommes arrivés maintenant. Pourquoi me dites-vous ça? J'ai tenu la moitié de ma promesse. Vous ai aidé à arriver jusqu'ici. C'est vrai. Et vous avez l'intention de tenir aussi l'autre moitié, hein? Je sais que vous ne respecteriez pas un homme qui ne tient pas sa parole, n'est-ce pas, Pike? Après tout, n'êtes-vous pas celui qui a donné sa parole à Morgan? Vous ne vous êtes pas assez battu? La question n'est pas là. On descend de cheval. D'accord. On descend de cheval. Comme vous êtes sournois, Pike. Oui, vous êtes sournois. Je n'aurais jamais pensé que vous pourriez faire une chose pareille. Moi, j'y ai pensé. Pas envie de me battre avec vous, Pike. C'est le pognon que je veux. Chico, qu'est-ce qui se passe? Beaucoup d'hommes qui arrivent, une armée. Et où sont-ils? Ils sont là-haut, sur la colline.
Chico, je veux que tu partes devant. Que tu ailles à Sonora et que tu demandes où est le ranch Morgan, tu as compris? Si, senior. Le ranch Morgan. J'ai compris. Et tous ces hommes? Oh. Je vais m'occuper d'eux. Et je te rejoindrai plus tard. Hein? Et maintenant, pars. Et ne t'arrête pas. Et ne donne cet argent à personne, sauf à Madame Morgan. Chico, tu lui diras que Pike t'envoie et qu'il t'a dit de lui dire de t'héberger. Si, senior. Cashdoc, tu vas avec lui, d'accord? Je veux que tu veilles sur lui. Allez avec eux. Je suis libre de faire ce que je veux. Vous avez la trouille. Je sais ce que je risque. Amigo. Raté. Ce sont les types qui ont le pognon. Alors pourquoi vous arrêtez-vous? Mais pas aussi simple. Hein? Non? Ça m'a pourtant pas l'air difficile de les avoir maintenant. Y a des tas de morts qui ont pensé la même chose. On ira quand je le dirai. Qu'on ne le verra jamais, ce pognon, s'il s'y prend comme ça. Ouais, on était que trois et maintenant j'arrive plus à les compter. N'oublie pas ce qu'il a dit. On tue ou on est tué. Jamais t'auras assez de couilles. J'ai qu'y faire. Hein? J'ai qu'y faire. J'ai entendu quelqu'un parler hier soir au camp de Calvera. Il parlait de vous, justement. Je sais pas qui c'était. Et je suis pas arrivé à voir son visage. Et j'ai entendu seulement qu'il disait qu'il allait vous tuer. Oui, qu'il allait vous tuer. En vous tirant dans le dos. Je me rappelle maintenant. C'était Dumper. C'est lui qui a eu cette idée. Mais j'ai rien à voir là-dedans.
Je pensais que vous commenciez à avoir peur. Ah, oui, oh, bien. Moi, je pensais que vous ne seriez pas resté. Alors, on s'est trompés tous les deux. Amigo, je crois que vous tirez dans la mauvaise direction. Les types que nous voulons, ce sont ceux-là. Alors, Seigneur Keefe, je crois qu'il vaut mieux que vous laissiez faire mes hommes. Vamonos! Il est trop tard. Non, non. Trop tard pour vous. Mais nous, nous n'attendrons plus. Combien vous croyez qu'ils sont? Plus de 40, peut-être. 40 et on est deux. Eh bien, on est mal embarqué, Pike. C'est pour eux. Je comprends que vous ayez refusé de goûter à mes fins cigares de la Nouvelle-Orléans. Il fallait me dire que c'était le modèle géant que vous vouliez. Vous savez très bien que je n'y fume pas. Mais donnez-moi. Hein. Thank you.
Pourquoi vous ne m'aviez pas dit que vous ne saviez pas nager? Je peux pas tout faire parfaitement. Et puis j'essayais de garder mon arme au sec. Bon. Vous êtes prêts pour un long voyage? À pied.